Bon, j'ai tout, j'ai l'air de tout avoir. Oh, toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Ah oui, d'accord, là tu verras la tronche de la grosse navette. Pour mettre des trucs, c'est pas mal. Il me semblait qu'on l'avait déjà fait la grosse navette. Ah, Il me peut-être changé, semblerait. remarque. Par contre, attends, il y a un truc qu'on pourrait faire ici. Deux céramiques et un aluminium. Mais je peux faire de la céramique. On se repose sur la lune, ce sera plus simple si je mets une plateforme, si je mets deux plateformes d'atterrissage. Oui, ça peut être pratique. On est d'accord. Bien les grosses navettes. Niveau stockage. J'aurais dû y aller en tracteur. Bait. Je suis bait. S'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas d'énergie, on peut aller loin. C'est mieux. De me demander GTR, mais ouais, ça doit être a priori c'est générateur thermal radioactif, un truc comme ça. Thermoradioactif. Thermo radioactif. Je le trouve même pas de toute façon. Si je l'ai vu tout à l'heure. Je me rappelle il est cher. Ouais, 12 500. Il nous faut du lithium et de l'alliage de nanocarbone, donc c'est pas pour tout de suite. Oui. Tu crois? Ouais, ça va être chaud, je pense. Un peu. On pourrait faire le moyen. Avec aluminium et tungstène. Le générateur? Ouais. C'est celui qui On a récupère. pas assez de recherche, mais... C'est celui qui fait carbone? Ça pourrait être pas mal, hein, pour les planètes à la noix. Ouais, mais faut juste que... Je relance de la recherche. Parce que là, je dois t'avouer que j'en suis pour un petit moment encore. Quoique, j'en faire que une. La plateforme sera plus simple. J'en fais une, je la pose, et comme ça, quand on veut revenir sur la. Il y en a un qui se pose, il décale sa fusée, et puis l'autre se pose après. Ouais, voilà. Non. Marche. Je prie. J'ai vu. Tu suis un peu les actualités Twitch. Pas du tout. Quoi? Non, c'est une streameuse qui s'est fait ban. Ah. Ça faisait un moment que les gens étaient en mode faudrait qu'elle soit ban. Quoi, montrer ses boobs? Bah. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a. Bon, tu sais, déjà, c'est le genre de streameuse en mode. Tu fais un don, donc elle écrit ton nom sur un tableau. Le tableau, il est assis. Enfin, il est par terre, derrière elle. Du coup, elle est obligée de se retourner. Voilà. Elle avait fait boire de la vodka à son chat. Non, mais il y en a, ils sont intelligents. Hein. Ils parlent le contraire. Elle était assise sur son chat. Elle avait jeté son chat le bout de la pièce. Ah oui, c'est pas petit, hein. Et ce qu'il a fait ban, c'est que elle a montré un boobs en live. Ah ça, c'est ce qu'il a fait ban, d'accord.
Parce Ouais, que la le torture reste, du non. chat, c'était tranquille, en fait. Ah oui, non, mais tout le monde était en mode, bon, en fait, elle a une immunité, tu vois. Et, mais je crois qu'elle est bonne que 3 jours. Hein. Je suis pas sûr, mais elle est Ouais, pas non. bonne si longtemps que ça. Après, si elle s'est fait un nom. Ah bah, elle rapporte de l'argent à Twitch, hein, ça c'est sûr. Non, mais si elle s'est fait un nom au niveau de la communauté, t'inquiète. Dans le sens où bon, c'est péjoratif. Hein. Ah oui, non, mais ça fait un moment, ça. Ça fait un moment que les gens la connaissent, entre guillemets, pas pour les bonnes raisons, quoi. Il y a des ânes. Oups. Puis sur Fortnite, il y a eu un Travis Scott qui a fait un concert. Enfin, ils ont J'ai organisé un vu truc comme ça. ouais, concert 2.0, un truc comme ça. Ouais. Et ouais, c'était stylé. Ça pouvait l'être, en même temps. Il n'y a pas une initiative mondiale d'un genre, un espèce de concert en permanence. Enfin, c'est plutôt les artistes qui mettent à dispo leurs concerts gratos. Ouais, il y a ça, enfin les concerts, les stand-up. Mais là, c'est genre vraiment ces trucs sur Epic Games, enfin sur la map de Fortnite. Epic Games a fait un truc, genre modéliser Travis Scott en géant, etc. etc. C'était aussi mieux. Bon, j'étais pas en live parce que je ne joue pas à Fortnite. Parce que j'en ai rien à foutre, mais c'était bien. Parce que Fortnite, j'ai vu les rediffs. Et c'était sympatoche. C'est des sympatoches. Bon. Ya. Ya. Ya, ya, des sympatoches. Oui, j'imagine que je vais pouvoir me poser là. C'était la première, on a dit oui. Sharif. C'est sympa. Là. Je te laisse voir la fusée si tu veux. Ah oui, c'est... Oh. Ah, c'est pas mal en fait. Et encore là, il y a l'oxygénateur. Il y a... Tu peux mettre un autre truc de rangement. Là, je suis en train de faire des petites plateformes sur qu'on en est. Et on en fait deux. Ouais, on en fait deux. Et du coup, on emmène ouais. un seul oxygénateur en fait. Ce que je vais faire, ouais, c'est que ouais. je vais monter. Il y a plus simple. Voilà, alors. Il y a des plateformes. Ce que je vais faire, il faut de l'aluminium et autre chose. Du tungstène, mais j'ai pas... Non, non, c'est de l'aluminium et de la céramique. Ça, on devrait l'avoir. Pour faire quoi ? Une plateforme... Comment... Une plateforme d'atterrissage. Comme ça, il y en a un qui se pose. Je pose la plateforme d'atterrissage direct et comme ça, on peut se poser toujours au même endroit. J'ai de l'alu... Bah là, il y en a là. J'ai un aluminium, mais il me faut de la céramique. J'ai un aluminium, j'ai un de céramique ici, là. Parfait. Bah, viens sur l'imprimante moyenne. Hop. Voilà, c'est là. J'ai qu'un de céramique, par contre. Ah, il me faut deux de céramique et un d'aluminium, merde. Attends, j'ai un truc. Mains. J'en ai encore sur mon rover, je fais fondre rapide. J'en profite, il fait jour. Et donc... Ouais, ça peut être pas mal ça. Du coup, on pourrait quasiment amener un gros rover directement là-bas. Bah en fait le truc c'est que ça fait cette taille là et que ça te... Ouais, Bah faut mettre à la place un oxygénateur quoi. Ouais.
Attends, mais non, ça c'est une grande plateforme, ça. Oui, je sais, mais parce que du coup, en fait, vu que si je ramène une plateforme... Tiens, je t'ai mis un remballeur sur ton truc. D'accord. C'est super. On va remballer un rover. Bah, il remballe un rover. Ah bah oui. Ah, mais il va falloir plus d'un... Vas-y. Oui, t'avais enlevé la cervix, pour ça que je pouvais pas, d'accord. Remballer un rover. Ouais, non, mais il va nous falloir plus d'un machin pour remballer tout ce qu'on veut là. Ça, c'est ton rover. Enfin, j'ai cherché le mien. Il y a moins de trucs dessus. Un four. Ça sert à rien, le four. Bon, enfin, on sera sur place en fait. Là, faut qu'on prenne. On peut prendre un rover qui va prendre une grosse part, une place importante déjà. Mais sinon, faut. Parce qu'après, donc le stockage du rover, on en a pas besoin. On le. Non, mais en fait, t'as pris mon rover. Il y a deux piles dessus. Ouais, je sais pas, on s'en fout. Si, c'était mon rover. Ouais, j'ai deux piles. Mais écoute, mais regardez-le, putain. C'est pénible, hein. C'est pénible. Parce qu'en fait, les trucs de plateforme, machin, c'est bon. Hop. Alors, du coup, on met l'emballeur ici. Ah! On peut pas l'emballer. Non. Il va falloir en faire un. Ça, je peux le remballer. Le remballe. En vrai. Le forêt, ça peut être genre ultra pratique pour le coup. Bah oui. Donc, attends, on va le mettre là. Ah, mais du coup, rover, c'est caoutchouc et tout, je crois, c'est chiant. Deux plastiques, un caoutchouc. J'ai l'air d'atterrissage qui est là. L'aire d'atterrissage, pour le coup, ouais, il va falloir qu'on la mette. Parce que c'est un gros truc, donc il va falloir qu'on la mette en dessous ici. Bah, à la place du. Mais il va nous falloir un oxygénateur quand même, en fait. Mais tu peux rester proche de la fusée le début, jusqu'à ce que l'oxygénateur arrive. Genre, celui qui se pose, c'est celui qui a. Non, mais tu le mets où le rover? En fait, je crois que ce qu'il y a de plus simple, c'est, c'est dommage pour la plate. Enfin, l'air d'atterrissage, je vais la mettre là. Comme ça, elle sera ici aussi. En fait, il faut juste amener une grande imprimante et faire imprimer directement un truc. Quoi. C'est joli. Ah, tu peux la replier. Ouais. Et du coup, ta fusée reste dessus, quand même. Mais ouais, non, parce que ce sera plus simple d'amener une. Ça prend moins de place d'amener une grande imprimante et les trois matériaux plutôt que d'amener le machin lui-même. Le machin, oui. Alors, on va faire ça. On a dit caoutchouc et plastique. C'est comment déjà ? Carbone composite et organique résine. Alors, organique résine, j'ai. Où est-ce que t'as mis tous mes trucs? T'as tout cassé, t'as tout caché. Ils étaient derrière. Ça, c'est les machins. Le truc. Ouais. C'est de même. Les batteries. Important de toutes les prendre. Oh, j'ai plus de résine. C'est la vraie vie, ça. Il y en a là de la résine. De toute façon, la résine, on peut la mettre, on peut la choper directement dans le. Ah oui, merde. Dans le générateur de machin, avec les bonbonnes. J'ai deux bonbonnes. Donc... Oui. Ça devrait aller. Et attends, dans ma fusée, j'avais un truc. Qu'il y en a un qui a dit, ouais, faut pas le laisser. C'est important, tout, la science. Voilà, j'ai ramené la science. Alors, cassez pas les miches. T'as vu comment ils nous parlent aussi, certains abonnés? J'avoue, parlez bien, hein. Oh.
Sinon, parler français surtout. Parce que des fois, c'est pas facile. Ouah, alors ça, par contre, c'est méchant. Ah, bah... Ça, c'est méchant. Parce que tu sais jamais si dyslexie. Ouais, non, je le langage SMS, je pars pas du principe que c'est de la dyslexie. Chaud. Désolé, mais le langage... Parfois, j'avoue, je suis en mode why, why, why. Langage SMS, hein. Le gars qui parle langage SMS et qui dit « Ouais, je suis dyslexique, ça passe. Ça marche pas exactement comme ça, désolé, vieux. » Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça passe. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire ça. Hop là. Du coup, on a dit, on fait pas le truc, hein. On prend juste les matériaux pour le faire. Le revenu. Ouais, je prendrai les matériaux pour le faire. Tu veux quoi? Graphite, ammonium. On a de l'ammonium encore, on a encore de l'ammonium. Bon, le machin est plein, si t'as besoin de trucs en particulier, tu me dis. Le machin est plein. Le comment... Le centrifugeuse de terre. Ah oui, ok. De l'aluminium, on en a pas tant que ça, c'est bien ça. Non, l'aluminium, c'est pas la folie. C'était au centre de la Terre, c'est ça? Pas vraiment centre, mais... Je sais plus quel matériel c'est. Si, j'en avais fait. C'est latérite, c'est ça? Bon, j'en ai deux, là. Si c'est latérite, c'est genre deuxième niveau, je crois. Je sais plus. Parce que là, je fais des propulseurs. Là, il y a les trois trucs pour faire le rover. C'est... Attends, parce que du coup, la planète, c'est quoi, en fait? Quelle plateforme on a? C'est Sol... Ah non, je sais plus. Novus, c'est atmosphère fine, boisée cratérisée, soleil élevé, vent élevé. D'accord, ouais, c'est pas mal, en fait. On va prendre nos petits trucs à nous. Ouais, on devrait pouvoir faire pas mal de trucs sur place. Ça, c'est du stockage. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Oui. Sont dessus. Alors sur celle-là, j'ai ça. Vu qu'il y a pas mal de vent, je vais prendre les deux éoliennes ici. Trois éoliennes. Je vais mettre des éoliennes dans ma fusée. J'en ai une sur moi. Non mais là, il y en aura trois. Trois plus des piles. Plus des piles, il va nous falloir un siège de rover. Ouais. Je vais le faire. Il faut quoi pour une grande imprimante déjà? Je sais plus. Le composite. Attends, je vais te ramener si tu veux. Que j'en ai, je suis pas sûr. Oui, si j'en ai. Bah, je lance le siège. Ouais. Tu peux lancer le siège. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Donc, on a du solaire, on a des batteries. On a de quoi faire le rover. On a de quoi. On a le siège. On a le forêt.
en Elforêt, on a deux plateformes où on pourra, du coup, après poser, il faudra une grande imprimante. Ouais. Imprimante moyenne, on pourra la faire depuis le backpack, je crois. La petite imprimante, on l'a fait depuis le backpack. L'imprimante moyenne, c'est depuis la petite imprimante. Oui, ça doit être résine et carbone, de toute façon. Deux composites. Ok. Attends, je vais faire une petite imprimante sur moi, comme ça je l'aurai. Attends, les composites, il en faut quelques-uns, je vais lui demander. Ce sera fait. J'ai une petite imprimante, c'est bon. J'ai une bonbonne qui est pleine quasiment aussi. Je vais la remplir un coup. C'est en train de se faire. Ah oui, ça met du temps quand même. Pas assez de courant. Non, ça devrait être. On consomme. Pas de vent. Ah, et puis on consomme la max en. Avec les recherches et tout, c'est vrai que c'est pas fou. Ouais. Limite, j'ai envie d'en arrêter deux et de lancer juste le truc qu'on avait. Non, mais attends, laisse les finir. C'est pas grave. Imprimante moyenne. Et sur l'imprimante moyenne, pour faire une grande imprimante, c'est quoi? 5 composites. Bref, hop, c'est parti. On aura les deux imprimantes. T'as fait une imprimante moyenne là? Ouais. Une imprimante moyenne et une grande. Mais la grande, on pourrait comment. On aurait dû attendre, t'aurais dû attendre de la faire là-bas. Parce que c'est une grosse caisse. C'est une grosse caisse? Bah, je pense. Pour moi, c'est une grosse caisse, du coup, on va même pas pouvoir la ramener. La moyenne, ok, la petite, ok, mais à mon avis, c'est une grosse caisse, la moyenne. La grande. Pas grave. Elle sera ici. Faudrait qu'on fasse une ou deux plateformes moyennes. J'en ai déjà une dans chaque navette. D'accord. J'ai anticipé. T'as anticipé? Après, faut voir ce qu'on amène, quoi. Tu veux mettre des petits éoliens? Des petits éoliens, est-ce que tu veux des petits solaires? J'ai un petit solaire, un petit éolien sur moi. Ou alors des moyens éoliens, on peut faire. Moyen éolien, moyen solaire. On peut en ramener, surtout. En vrai, on peut en ramener, parce que là, on en a une, deux... Ouais, mais faut les remballer. 4, 5. Ouais, autant les faire, j'avoue. C'est quoi ces deux? C'est là... éolienne moyenne, céramique vert et vert cuivre solaire. Plutôt que d'amener des petits, en fait, autant ramener des moyens. Attends, je vais poser des ressources dans ma fusée. C'est la tienne? Non. C'est bien ce que je me disais. Alors, le rover, plateforme moyenne, oui. Imprimante moyenne, j'ai ça aussi. Stockage de moyen. De la résine, parce que de la résine, on a toujours besoin. Ça, je vais mettre ça ici. On n'a pas besoin. On peut faire cuivre céramique. Enfin, là j'ai vert céramique s'il faut. Vert céramique, oui, il faudra en faire 2 ou 3. Céramique, c'est pas compliqué. C'est cuivre, je sais plus. Ah oui, c'est un moyen, d'accord. Bon bah. Compliqué. Vert, non. Quartz. Du coup, on en a pas beaucoup. Je peux aller en chercher. C'est pas loin normalement. C'est bon, il y a un bout de. C'est quoi ça? Du zinc. T'es tombé. Il y a moyen, c'est parti. J'en ai pas sur moi. Ça, c'est du carbone. C'est vrai que le quartz c'était tout en bas, non? Le cuivre aussi qu'on veut récupérer. Bah, il y en a en bas, mais à mon avis, il doit y en avoir plus haut. Enfin, c'est sûr qu'il y en a plus haut du. Du quartz. Paf. Le cuivre. Ah oui, je me rappelle, le cuivre c'était quoi? Il faut que je descende tout en bas. Super.
beaucoup de céramique. Quoi, non. Mais l'argile, il n'y en a pas si loin que ça, normalement. Non, mais j'en, là, j'en ai deux qui non, mais cuisent. De toute façon, l'argile, tu peux le faire avec la le centrifugeuse. Oui. Il faut que j'aille juste la remplir, mais... C'est pas bien compliqué, ça. Oui, non, ça va être fait bah, tout de suite, d'ailleurs. Hop. Ah mais arrête de tomber. Ok bon ça m'emmerde. On a dit cuivre et céramique et cuivre et quartz. Quartz, on peut pas en choper depuis la centrifugeuse, il me semble que si. Je vais regarder. Ça va être en petite quantité, quoi. Mais c'est pas grave, ça. Résine, organique, argile, quartz. Ouais, je peux en choper deux. Il chope. Choper deux de quartz. Chope ça. Allez, on y va. Oui, du coup, je peux faire un deuxième éolien moyen. Aïe. Casser les jambes. Hop. Non, on redescend. Oh. On a dit qu'il nous fallait du cuivre. Là. Profond. Cette bestiole. J'ai du quartz là. Graphite, sauf que le graphite on n'en a pas besoin, je le laisse tomber. Hein. On peut en faire en plus du graphite. On en a plein en haut en plus. En plus. Enfin plein. Ouais. Je crois. On en a un peu. Mais il nous sert à rien de toute façon. Je sais qu'on peut en faire avec la centrifugeuse. Ici on avait plein aussi, d'accord. C'est super. Par contre. De bêtises, mais voilà. Hop. Ah, c'est là qu'on avait le l'astromium. Le puits d'astromium. C'est tout en bas, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une pile de trucs qu'on a lâché ici. Assez impressionnant. Mais non, il y a des trucs bizarres un peu ici. Par contre, je trouve pas le cuivre. C'était moins bas le cuivre.
Là, c'est sûr. Suis-je allé trop bas? Je pense. Bon, oh, bah, je remonte. Je crois, en tout cas. Possible, possible. Ça me paraît étonnant. Je pensais qu'il y en avait plus bas, mais... Si c'est pas celui-là, ça va être celui juste au-dessus, alors. J'en vais ici. Il y en a ici, il y en a. Est-ce qu'il y en a? Peut-être un petit peu. Oui, il y en a. Allez. Je roule une rallonge. Hop. La shit. Faire le cuivre. Ça, très clairement, j'en ai pas besoin. Le zinc, est-ce que je le laisse? Oui, hein. Bon, je reviens avec 4 de cuivre. Le zinc, ouais, le zinc, on en est mieux chié. Il me semble que le zinc, ouais, ça va. Je pense qu'on n'est pas trop en galère là-dessus. Je pense que ça devrait aller, en effet. Là, elle remonte. On va bientôt être prêt à partir, en fait. Bah juste falloir, ouais, du cuivre pour faire des petits solaires, enfin des solaires moyens, puis on sera j'en ai près, je pense. J'en ai 4, ouais, puis après on improvise, hein. Comme d'hab, de toute façon on fait ça depuis le début. c'est un peu le but de c'est un peu le but du jeu, c'est le but de cette collaboration. On sait pas jouer, en plus on sait pas ce qu'il faut faire. Mais c'est beaucoup plus marrant comme ça. Mais oui. Parce que sinon, on s'emmerde. Ça fait rager les rageux, ça fait rigoler les autres. Et ça, c'est hors de prix. Haters gonna hate, yeah. Ah, oh, j'ai envie de me mettre un coup de poing dans le foie tout de suite là. Ah, pour revenir à ce qu'on dit, ce qu'on parlait aussi, tu sais, les groupes, les groupes russes. Donc il y avait celui qu'on discutait, qu'on... Ah, mais il y avait plein de quartz ici, en fait. D'accord, faut juste pas être aveugle. Il y avait celui... On en avait parlé de un, c'était lequel déjà? Il y avait Little Big. Ah, Little Big. Et l'autre que je te disais avec la chanson Bliat, c'est... Oui. C'est Soka Bliat, c'est DJ Bliatman. Je le connais pas. Faudra que tu regardes. C'est assez particulier. C'est quoi? Amazon qui remonte. DJ Bliatman. Bliatman. Et faut, c'est Soka Bliat. Je sais pas comment on écrit ça. S-O-K-A-B-L-Y-A-T. Alors déjà, c'est C-Y-K-A-B-L-Y-A-T. C'est que blé. C'est que blé. Ouais, mais ils sont bizarres aussi. Les Russes, ils sont fous. Ah oui, donc il n'y a pas d'intro, en fait. C'est genre, tu lances la vidéo, ça commence tout de suite. C'est n'importe quoi, déjà. Ok.
c'est du gros, c'est du gros son de rêve, russe, mais c'est bien rigolo. Tu tapes du pied dans des champs, quoi. Ah ouais, non. C'est un truc de teufeur, ça, un peu. Un peu, ouais. C'est ça qui est drôle. Du quartz, tu veux du verre, hein, ouais. Non, non, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est là où c'est drôle, en fait. C'est complètement n'importe quoi. Mais tu sais que moi ça m'enjaille en vrai ça. Hein. Mais oui, mais c'est trop drôle. T'as tu dis. En français, ça fait penser un peu à genre Salut c'est cool, tu vois. Je connais pas. Mais tu dis si je faisais des études en Russie, les soirées étudiantes, bah, comment ça doit être n'importe quoi. Bah je serais alcoolique déjà. Déjà t'aurais plus de foi. Tu l'as fait le rover, pas encore? Si, si. Non, j'ai mis les matériaux dans... Parce qu'on peut pas le prendre, j'ai mis les matériaux dans ton truc. T'as deux trucs blancs et un truc noir. C'est caoutchouc et plastique. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il serait pas mieux de faire le double? Comme ça, on aurait aussi une remorque. Non. On aurait deux rovers, un chacun. Mais non. Tu vas pas me la faire à chaque épisode. Non, mais écoute, parce que si on fait une remorque aussi, ça permet d'avoir beaucoup plus de stockage. Et on peut aller miner avec. Et on se relaie. Enfin, moi je vais miner un coup, tu vas miner un coup. C'est pas un problème ça. Essaye d'être intelligent des fois. Waouh! Mais quelle haine envers son frère! Waouh! Ça me fait si mal ce que tu dis. Fallait dire Briette. Mais du coup, ouais, Scoubriette. Scoubriette. Non, mais moi j'ai peur de jouer à Valorant maintenant. Pourquoi? Parce que je me suis fait insulter. En fait, j'étais en partie. Et on était 3 dans mon équipe, 2 en face. C'est moi qui avais la bombe. Enfin, le spike, du coup. Pardon. Je vais proposer, ma touche marche pas. En fait, j'avais pas rebind la touche comme il faut. D'accord. Et du coup, le mec qui était avec moi, et il appuie sur son micro. C'est un micro russe, donc forcément de mauvaise qualité. Il s'est en mode plant, soukoubriette, plant. Moi j'étais en mode laisse-moi tranquille. Ah non, mais c'est le genre de jeu que je déteste. C'est ceux où tous les joueurs jouent leur vie à fond, genre c'est la finale du championnat mondial de machin, il y a 2 millions à la clé. Reste tranquille. Non, en vrai, faut y jouer avec des potes. Ouais, sinon, non, mais c'est pour ça que je peux pas jouer avec des jeux comme ça. Déjà, j'ai pas de potes. Ah, j'ai envie de mettre une sad music de Naruto, là. Je travaille, moi, monsieur, j'ai pas le temps. Je travaillais. Du coup, j'ai le temps. Mais... Maintenant, j'ai le temps, oui. T'as mis... Composite. Pourquoi t'as mis de la merde dans ton vaisseau? Mais c'est toujours pratique d'avoir de la résine si on veut faire un hop. Tu sais ce qui est pratique? C'est au lieu de voyager avec des petits générateurs à vide, tu mets du truc dessus. Mais j'ai eu le temps de faire ça ou pas du tout? Mais carrément, t'as que ça, t'es au chômage. Waouh! Merci de me rappeler cette dure épreuve. Enfin, on l'est tous un peu là en ce moment, mais.